à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de la Gambette Box du mois de avril. Et j'ai décidé de vous faire cette vidéo sous un nouveau format. En fait, je vais intégrer un lookbook dedans pour vous présenter les paires de collants portées ainsi que mes fringues du mois d'avril préférées. En plus, le mois d'avril, c'est mon mois parce que c'est le mois de mon anniversaire. J'adore ce mois. Il y a les cerises qui arrivent, le temps... Le printemps est là, le beau temps est là, voilà, j'adore ce mois. Normal, c'est le mien. Donc moi je suis du 23 avril, donc bientôt mon anniversaire. Bientôt 31 ans. Mais je le vis bien, franchement. Peut-être le 35 il fera plus mal, je sais pas, on verra. Donc je vous présente la box. Donc je vous présente la Gambette Box du mois d'avril. Sur un style printanier et romantique. Vous voyez la tenue. Voici les tutos. Donc c'est vrai qu'il est très printanier parce qu'il parle de fleurs, quelques pâquerettes, du gypsophile, des cosmos. Oh, vous êtes là? Pardon, on ne vous avait pas vu arriver. Je pense que c'est des collants qui sont frais dans la saison. Alors, je pense que, vous savez, dans les photos, on voit les collants. Donc ça doit être celui-là, mais alors vraiment, on ne le voit pas du tout. Et après, oh, ils sont beaux. Celui-là. Voilà. Donc les collants, je les trouve juste magnifiques. Alors on a le folk. Alors c'est un 40 deniers. Bah, de toute façon, le printemps est là, donc ça sert à rien d'avoir des collants trop noirs. Ouais, il est vraiment magnifique. J'ai hâte de vous faire une tenue avec ça, vous allez voir ça. Le beau. Alors là on va pas trop, on voit qu'il est strié, donc avec maman on verra mieux. Alors c'est collant rectiligne noir 32 denis. Il est moins opaque encore que l'autre. Ah oui, il est encore moins opaque, donc il doit être plus clair. On en dirait pas comme ça, mais oui, voilà, très beau. Je pense que ça doit même mincir les gambettes, ça doit faire trop beau. Ben, il n'y a plus qu'à, on va dire, hein. Il n'y a plus qu'à mettre. Collants, je suis toujours aussi fan de cette box. Vraiment, les collants, je les trouve de bonne qualité. Ils sont pas effilés, ils sont top. Pourtant, je les porte et je les reporte et je les porte encore. Donc, j'en suis juste trop contente. Bientôt, donc à partir du mois de juin, c'est des maillots de bain qu'on va avoir à la place des collants. J'ai hâte de voir. Je pense qu'après le mois de juin, je stopperai la gambette parce que je commence à avoir quand même pas mal de collants en stock. Je verrai à la rentrée si je relance. Mais vraiment, je suis juste trop contente des collants, de la box en elle-même. Je la trouve juste trop top. Je vous fais à tous d'énormes bisous et ciao !